importe pour moi, en tant qu'élu local, en tant que maire de Drancy, c'est qu'on sache apporter une réponse concrète, mise en adéquation de l'offre et de la demande. Le constat est clair, après 18 mois sans emploi, seulement 35% des personnes peu qualifiées ou âgées retrouvent un emploi. Si on les forme à des métiers qui sont disponibles sur notre territoire, on a plus de garanties de réussir leur démarche de demande d'emploi. Je considère que l'emploi doit être l'affaire de tous, l'affaire de chacun, parce que quand en tant que maire, je reçois une personne en difficulté, qu'est-ce qu'elle a comme difficulté? C'est une difficulté de logement, c'est une difficulté d'emploi. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'il ne peut pas y avoir de solution de logement. Donc au départ, on a fait ça un peu, j'ai envie de dire, avec les moyens du bord, en se mettant en relation avec des sociétés. Et puis en 2013, on a créé cette mission emploi. Et cette mission emploi, elle a reçu aujourd'hui 5000 personnes. 5000 personnes en 5 ans. 3500 ont trouvé un emploi. Moi, je suis pour une politique pragmatique, tout comme l'était Jean-Christophe Lagarde, mon prédécesseur. C'est ce qu'on fait dans notre ville depuis 17 ans. À travers l'organisation de ce salon, bien sûr qu'on vient en aide aux demandeurs d'emploi, mais aussi on va dans le bon sens du développement économique de notre ville. Les TPE n'ont que très rarement accès à la possibilité d'offrir leurs offres d'emploi. Cet espace, il est essentiel parce que ces TPE, elles ont aussi à recruter et elles ont des problématiques pour le faire savoir. Certains métiers sont en plein essor. On a énormément de monde, par exemple, qui vont se positionner sur le métier de plombier. Et avec la méconnaissance du public, on a des métiers comme les peintres, les carreleurs, les plâtriers. On aimerait avoir beaucoup plus de monde. Des entreprises sont demandeuses, mais nous n'avons pas suffisamment de jeunes à mettre en face. Cet espace qui a été créé, c'est une excellente chose, parce que du coup, ça permet de faire se rencontrer deux mondes qui ne se connaissent pas.